C'est à vous de serrer cette alliance en glissant ce doigt. Maintenant, je vais vous demander de bien ouvrir les yeux. Vous allez voir ce que vous allez voir. Aujourd'hui, ce n'est pas le défilé. C'est aujourd'hui que vous allez tous comprendre ce que le chien avait vu. Bien concentré. Monsieur Gungulu Obirigi, sortez-nous ça. Thank you.
que ça va? Est-ce que tout le monde est content? Et ceux qui sont contents, levez les mains qu'on vous voit. Levez les mains qu'on vous voit, ceux qui sont contents. De vous recevoir ici, les parents, les amis, les hôtesses et la sécurité, on applaudit très 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 fort pour les mariés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il m'est très utile de vous informer ce qui se passe présentement à la table officielle. Les mariés sont en train de paraffer le registre des mariages et les actes qui l'accompagnent. À leur tour, emboîteront le pas. Et monsieur le maire, pour qui je vais m'arrêter un instant, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est lui-là qui dirige cette cérémonie devait le maître. C'est lui qui préside cette belle et grande cérémonie. Le maire du Garon, aujourd'hui, l'a dit très fort pour lui, s'il vous plaît. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à son tour, monsieur le maire aura le privilège de clore la signature du registre. Et pendant ce temps. Très respectueusement, je vous prie de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît. Monsieur Bourgoulou Birigui Saturnin, c'est en votre qualité de chef de famille que je vous remets aujourd'hui votre livret de famille ainsi qu'un extrait d'acte de mariage et un certificat de non-opposition. Vous saurez garder ces documents jalousement et les portes de la mairie du 4e arrondissement vous restent grandes ouvertes le jour où vous aurez besoin de légaliser les copies de ces documents. Vous pourrez les remettre d'ores et déjà à l'un de vos témoins. J'ai décidé à vouloir me faire danser. Bourgoulou Obirigui, vous venez donc d'achever votre vol et d'acquérir tout droit dans le haut de l'eau. Voilà votre billet d'avion. Ah, c'est la preuve que vous avez pris l'avion là en question. Ce mariage, c'est là la preuve. Il faut garder, c'est pour vous. Chaque fois que vous pouvez ou vous voulez le légaliser, la copie, vous venez au 4e, on légalise. Chaque fois que vous voulez aussi, vous continuez à mettre au monde des enfants. Le quadruplé, les triplés. Il y a la place dans le livret. Il y a 50 feuilles dans le registre à connaissance. Donc, c'est à vous, vous le remettez à votre témoin. Mais le témoin est pas foral, hein, il ne faut pas dire que le maire a dit que c'est pour moi. Ça, c'est pour madame. Et vous attrapez d'abord et vous rendez après. Oui.
arrivons au terme de notre célébration. Que dire sinon de vous souhaiter tout le bonheur du monde. Aimez-vous, que l'amour règne dans votre famille, dans votre couple, entre vous, vos enfants, entre vos familles respectives. Acceptez les autres, vous vous êtes acceptés, acceptez les autres avec leurs erreurs, avec leurs qualités, avec leurs défauts, mais aimez-vous par-dessus tout. Tous les problèmes que vous aurez dans votre vie de mariage, vous saurez les régler à deux. À deux, dans votre intimité la plus profonde. Dans votre intimité, vous réglerez vos problèmes et dans votre amour, vous serez fusé dans le cœur. Vous êtes tous les deux des gendarmes et vos collègues sont venus aujourd'hui vous assister. Sachez également que la vie est une comptine. Ils vous ont assisté aujourd'hui, vous nous avez également le devoir de les assister demain quand ce sera leur tour. Également à elle, alors vous avez également, nous avons tous noté que vous avez eu la bénédiction d'être les parents des jumeaux. C'est une bénédiction. Beaucoup de parents aimeraient avoir des jumeaux, même si c'est difficile de les élever. C'est une bénédiction. Vous devez les élever dans un cadre harmonieux. Mais n'oubliez pas également, la loi que nous suivons et respectons, la loi des hommes, celle que nous avons écrite, rédigée, à l'image de ce que le blanc nous a appris, cette loi ne doit pas occulter également nos coutumes et nos traditions. Je m'explique. Vous avez, au-delà de vos jumeaux, Wendy et Brian. Wendy et Brian sont également vos enfants du couple. Si pour le moment, la loi du blanc ne prévoit pas que ce soit les enfants du couple juridiquement parlant, notre tradition et nos coutumes le disent. Ce sont vos enfants, ce sont les enfants du couple. Il faut toujours le garder en tête. Que l'un soit l'enfant que l'autre a eu avant, et que l'autre soit l'enfant que l'autre aussi a eu avant, ce sont vos enfants, ces deux-là. Donc, vous n'avez pas deux enfants, vous en avez quatre. Reconnu de vous deux, de vos familles et de moi également. Je vous remercie. Allez, la maman. You're still the one who made me happy.
Sufrí y hoy me ha dado la fuerza para vencer cualquier tormenta, cualquier diferencia. El tiempo borra mis heridas, mas no me regresa lo que un día yo perdí soñando a puerta abierta. Fueron infiernos mis días en un lugar sin salida. Apresaron mi cuerpo, pero nunca mi vida. Escuchen bien y mírenme. Pensaron que jamás podría volver. Todas esas mentiras que de mí labraron hoy se van a arrepentir. No pararé hasta lograr que todos los que me hicieron mal poco a poco sin piedad. Les juro que no voy a descansar. La patrona soy yo. Mm-hmm.
À trouver le bonheur. Le frère Obirigi, dans Gungulu Obirigi Saturnin, et la sœur Bisala Djengi Boris Tassiana. C'est un honneur aujourd'hui de vous avoir en ces lieux. Ils ne sont pas nombreux, ceux-là qui honorent l'Éternel dans leur couple. Et vous avez voulu que Dieu soit au centre. Mais écoutez ce que Dieu veut. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 19, au verset 16, ils ont engagé une discussion vers le verset 14-15, c'est les scribes et les pharisiens, au sujet du verset que Moïse avait institué sur le divorce. Écoutez, Jésus dit, l'homme ne peut séparer ce que Dieu a uni. Ça veut dire tout simplement, frère Saturnin, que tout à l'heure, le maire venait de vous annoncer que si ça ne va pas, vous pouvez vous retrouver au tribunal. Mais le mariage dont nous sommes tentés de sceller dans la maison de l'Éternel, il n'y a aucun tribunal pour vous aider à vous séparer. Nous appelons ce mariage un aller simple, sans retour. Quelqu'un me comprend? Là-bas, il y avait ce qu'on a dit, c'est marié pour quoi? Pour les meilleurs et pour les pires. Ici, nous annulons le pire. Ici, on se marie pour la vie. Alléluia. Ça veut dire que dans votre tête, il ne va pas exister le mot divorce. Quelles que soient les tempêtes et les vents. La Bible est claire dans le verset que l'homme ne peut séparer ce que Dieu a uni. Si vous vous êtes engagé à une blague, n'associez pas les grands. Et là, vous avez associé non seulement l'État, vous avez associé les parents et vous avez également associé Dieu le Créateur. Ça veut dire que l'affaire est sérieuse. Quelqu'un d'accord? Frère Gungulu, je suis très satisfait de votre comportement. Vous êtes ici dans votre église auquel vous servez jusqu'à aujourd'hui en qualité de diacre. L'église où vous êtes né à la foi, auquel vous êtes baptisé,